pour représenter cette tendance des inclassables et parachever en beauté le portrait des nommés artistes de l'année, voici Boyan Z. Son parcours est associé depuis ses débuts à celui des grands chercheurs du jazz. Élevé à Belgrade, il débarque encore adolescent à Paris où il se lie très rapidement à, entre autres, Noël Achoté, Julien Louroux, Henri Texier ou Michel Portal, inventant à chaque fois avec chaque partenaire une couleur et une voix appropriées. Lauréat des Victoires 2007 pour son disque Xenophonia, littéralement le son de l'étranger, Boyan est l'incarnation même du jazzman imprévisible et virevoltant. Mais disons que déjà à la base, je suis quelqu'un qui a commencé l'apprentissage de la musique dans le monde classique. Et très vite, en fait, j'ai eu un espèce de double départ dans la musique classique et dans la musique rock. Donc voilà, les deux choses m'intéressaient à ce moment-là. Ce qui fait que d'un côté, au bout de 4 ans, donc à l'âge de 10 ans, je déchiffrais, je pouvais lire la musique, je connaissais la musique classique déjà pas mal. D'autre côté, je connaissais tous les morceaux des Beatles aussi par cœur. Donc voilà, automatiquement, moi-même, je n'essaye pas de me classifier dans un tiroir. Quel que soit le tiroir, je laisse les autres essayer de le faire. Puis s'ils échouent, bah, tant mieux. Pas mal. Et au niveau de la dynamique? Ouais, je n'ai jamais essayé. Ah, tu n'as jamais essayé? Non, je vais le brancher maintenant. D'accord. Ah ouais. Non. Carrément. Ah yes. You like taking chances. Man, I like taking chances. I have no fear. I feel it. Être nommé donc dans la catégorie de l'artiste de l'année, c'est assez simple. Soyons clairs, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, d'autant plus que la musique de jazz n'est pas, on ne peut pas dire que c'est la musique qui est omniprésente dans les médias. Et pourtant, on est des musiciens qui sont très actifs. On parcourt le monde entier. Dans un an, on joue parfois jusqu'à centaines de concerts. Mais le fait quand on est nominé et que les médias s'intéressent à nous, bah, c'est bien, c'est super, ça fait plaisir. J'ai invité Julien Louroux sur l'un des morceaux. C'est simple, avec Julien, ça fait des années qu'on joue ensemble et on arrive toujours à se sentir étonné et se sentir surtout bien. On joue ensemble, donc voilà. C'est avec lui qu'on va jouer l'un des titres. On a plusieurs idées dans la tête, mais on va voir ce soir lequel on va jouer. Vous faites quoi à deux ? On va faire un morceau à moi, je crois. D'accord. Un truc en 13, 7 et demi. Pas du tout, c'est du 4-4-6-8. Ah.
Voilà, nous avons fait connaissance avec les trois nommés de la catégorie artiste des 10e victoires du jazz. Qui a gagné ? La réponse dans quelques instants. Si tu gagnes, tu joues plus jamais avec moi. Si tu gagnes, plus jamais en finale. Ah oui. Oh, ça y est. Oh. Elle est ici. Oh, les gars, je vous kiffe. Oh, comme ça. Reste en poli. Reste en poli. C'est juste pour lui donner quand il va monter sur scène. D'accord. Ouais, ça marche. Ouais. J'arrive, je lui file. Voilà, tu lui vends. Ah, celui que je choisis le nominé. C'est bon ça. Vas-y, vas-y, ça rejoint. Donc voilà, ouverture de l'enveloppe. Avant que l'enveloppe, il faut donner votre. Allez, c'est pas nous, monsieur. Attends. Allez-y. Une main innocente, Sandra. Boyan Z. Yeah. Quand j'étais petit, on m'a appris que l'important est de gagner, pas de participer. Non, c'est faux. Le plaisir, ce qui est intéressant surtout, c'est que tous les musiciens qui sont là ce soir, on fait tous ensemble une dynamique dans cette musique. C'est ça la particularité de la musique de jazz, c'est qu'on a besoin les uns des autres pour avancer et pour devenir les meilleurs de nous-mêmes et en permanence et puis pour longtemps. Mais en tout cas, quand des choses comme ça arrivent, tout simplement, il y a une seule chose à faire, et c'est ce que je vais faire, je vais le prendre, et je vais vous dire un grand merci à tous. Merci. God. I cannot believe it. It's just, jazz is my life. Inclassable, c'est la classe. Ouais, exact. Voilà, c'est la fin de ces victoires du jazz et de cet anniversaire. Ah mais tiens, comment dit-on en français? Un décennaire? C'est pas sûr que l'Académie française accepte de jazzer le dictionnaire pour l'occasion. Mais la leçon que j'ai retenue de cet impressionnant défilé de talents et de personnalités est que peu de musiciens acceptent de s'enfermer dans un genre ou une seule tendance. Et que leur liberté est aujourd'hui plus grande que jamais. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir accompagné dans ce voyage musical qui, j'espère, vous aura procuré autant de plaisir qu'à moi. Laissons aux jeunes d'aujourd'hui le soin de garnir les rangs des nommés du très prochain vingtenaire. Et en attendant, keep on swinging.